O président, président James Michel, indique que son participation des jours de sa sommet à Abu Dhabi et que son adresse qu'il fait là-bas, il donne l'opportunité pour promouvoir ce style, pour établir contact avec les dirigeants de secteur énergie renouvelable, pour encourager l'investissement dans nos bonnes îles et pour encore une fois faire ressortir la vulnérabilité des bonnes îles d'Asile. De son adresse là-bas, le président dit que l'énergie renouvelable y amène un bon bénéfice économique, l'environnement et social, et que sous sa bonne énergie peut aussi réduire les dépenses de celle, le pétrole qui devrait coûter. In 2007, global production of solar cells increased by 51%, bringing world solar energy generation to about 10,000 megawatts, enough for about 20 million African homes. We could make a difference if only those technologies could be made commercially affordable. The recent oil crisis has had a lasting and significant impact on the economy of Seychelles. The financial and food crisis further aggravated our situation, and today the country remains highly vulnerable to any further shocks. President Michel a aussi dit que l'énergie renouvelable pour minimiser l'impact négatif de l'environnement et il exprime l'inquiétude de ses lois face à son climat. We need energy, yes, but not at the detriment of our common heritage. We all share the same planet, the same air, the same water and oceans. The consequences of climate change are too harsh for us to bear as a nation. Faced with the menace of sea level rise, protracted droughts and catastrophic weather events, even the most resilient will fall prey to despair and hopelessness. We are not alone in this, for many communities could be displaced and many small islands could disappear. President Michel a aussi fait discussion intense avec Prince héritier Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, aussi des coopérations fictives en Seychelles avec Abu Dhabi. C'est conseiller spécial du bureau président, M. Rolf Payette, qui a signé son agrément avec la compagnie Mazda pour Seychelles, de présence président Michel. Mazda, qui pour le gouvernement Abu Dhabi, peut venir de façon pour produire l'électricité à travers la force du vent et aussi pour transformer l'énergie solaire et l'énergie à partir d'une saleté qui pourrait être recyclée. Et demain, et l'autre agrément, sa facile de domaine la pêche entre Abu Dhabi et Seychelles, il expecte signer ici même.